Mon vieux nono. Nzoto Kolomono. Monsieur Landry Foucault, je vous dis encore merci pour ce que vous êtes en train de faire avec l'équipe, les TGRC, Yann Mambo et tout le monde. Voilà, on est là dans le cadre de notre émission L'Isolorium. Awatosola Ramarambo est un politique. Akambo est dérangé à la peuple. Akambo est un Kanamboka. On s'est dit non. Nous devons appeler les gens au Bazana mandat. Parce que Bolanda qui Augustin Kabuya, Monsieur Tagu Kole Kabozaki pe belé, Oyo Bokumaki, Bobengaki, Bolobaki. Et alors, on a fait l'effort d'aller chercher un expert en communication, Oyo Boyebie, très 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 bien. Il s'appelle Nice Chiban. Il est proche du pouvoir, comme Batwazali a constaté, mais ici, on va analyser avec lui les grandes lignes d'actualité dans notre pays. Monsieur Kononoli, je ne sais pas si mon invité est déjà prêt, il peut faire son entrée. Donc, il peut faire son entrée. Donc, on a solo là. Aussi, Bandaki. Nous attendons notre invité. Voilà, monsieur Maïs Chiban, vous pouvez faire votre entrée. L'émission a déjà commencé. Moi, je suis en train de Ah, Corona est allé. Corona. Mais à distance. Ok. Mwanamboka Maïs Chibangu, oui. Expert en communication. Mais avant tout, na pêche na mbote, na sepeli ndengo na plateau oyo. Je vais livrer l'eau confidence moko. Ce qui l'élo Delphine Kasso, moi je suis journaliste parce que au pesanga sentiment et en ça la presse. À l'époque, on avait quand même. Quand vous présentez les émissions, vous avez qu'on vend d'appeler un tapis, tous en Hollande, toute la famille. Merci si je suis ce que je suis, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, je suis très honoré. Mais cela ne m'empêche pas, parce que toi, quand on a solo là, dans ma cambo et Tadimboka, Kulutu Maïs Chiban. Merci. Vous vous sentez à l'aise, babenga expert en communication, babenga proche Félix Tshisekedi, babenga communicant, babenga visionnaire, tout babenga leader. Je suis expert en communication. Visionnaire, oui, je peux l'être. Parce que je pense que je suis visionnaire dans certaines choses que je fais. Et puis, voilà. Mais mon travail, je suis expert en communication. Consultant de beaucoup d'entreprises ici, en République démocratique du Congo et ailleurs, évidemment. Dans les pays comme la Zambie, la France, la Belgique, où nous sommes consultés pour apporter notre expertise dans le domaine de la communication. Voilà. Ça ne dérange pas, mais cette émission, soyez bilingue, hein, parce que vous allez l'isolorium. Neti, expert en communication dans l'ingala, Togo Banin. Et la vie, sentez-vous à l'aise. Il y a un lobby de l'ingala. Il faut que vous ayez besoin de l'ingala. Il y a un lobby de l'ingala. Il y a un lobby de l'ingala. On va essayer, d'accord? Voilà, Ndeko Maïs, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, la majorité des gens, surtout à la diaspora, va comme Ningaï. Balobé était tourné la bisoyi. Pourquoi Azana haine contre Jean-Marc Kabound? Il semblerait, par tes révélations, vous avez fait sauter Jean-Marc Kabound sur la chaise. Est-ce haine ou l'amour de la patrie? On s'assure que je vais une question. Je vais en contact avec toi. Si tu as un membre de la diaspora, pourquoi tu as un membre de la binote? Et si tu as une question, alors pose-leur la question. Pourquoi bango as un diaspora ou tu as un membre de la binote? J'ai un souci. J'ai comme l'impression que les Congolais ont remis tellement mon thème à ma baie. C'est-à-dire nous sommes foncièrement mauvais. Moutouna yé. Pour na ayoka bien na nzoto, le Sengeli 1, Afinga chef de l'État. 2, Aloba Kongo Bongate. 3, Abanda Kosala ke batounyo so bansala malamu na Kongo. Batounyo so tour bazo produire, batounyo so bazo s'élever en dignité, ba kasse bango. Surtout bande kwa diaspora basé dans le comportement en Amérique. Quand vous dites que, selon vous, ma révélation en tant que journaliste d'investigation,
Et si on a découvert que M. Jean-Marc Kabunda est minier, j'ai mis ça sur la place publique. Il y a un sali lilo, il peut fouiller dans le dossier de Moussousou, il y a un en dehors, il y a Makamunanga, par exemple, on a l'obaki, il y a un teka, le poste, il y a un membre, il y a UDPS, il y a un FP. Bon, FP, il y a un mabouina, il y a un yarani. Comment il y a un problème, hein? Il y a un problème, il y a ah, ça va. Si quoi, Nassara qui m'a bé, je pense que, un, c'est mon travail. Je pense que, deux, aimer la patrie, c'est ça. Et je pense que nous devrions tous faire ça. Tu travailles à la régie des eaux, tu te rends compte qu'il y a un directeur, qu'il y a un travailleur, qu'il y a un moutou. Aïba Rambon, ou Yaké, c'est à l'État. Alingeti, le fait. Alingeti, Atindi, ça, c'est même Manzé, comment je veux dire, des chansons promotionnel comme ça pour conseiller la bateau batika mabé. Mais non seulement bateau bazo conseiller batika mabé. Nous aussi nous ne devons pas être complices parce que la complicité, qu'est-ce que je voudrais dire, nous ne devons pas nous taire parce que se taire c'est une façon d'être complice. Namoni ozo sala mabé, na lobité, na dévoilété. C'est-à-dire que je participe tacitement na mabé ozo sala. Est-ce que je devrais, moi, commencer aujourd'hui à participer na Mabende Ndegora Banego Sala contre l'État? Aujourd'hui, est-ce que l'UDPS a des bureaux ou Yamaï Kabouya? Est-ce que l'UDPS est dans ma bureau? Lubumbashi, qui est dans le bureau, l'UDPS au Romona. Mais contre le nombre de millions que Papa Wana n'a pas quand on a évasé, permettez-moi le terme. Parce que l'habité. Bon, il sera peut-être pour la terre, mais pour la terre, peut-être approprié bien, bien. C'est-à-dire que nous avons tout combattre la UDPS pendant 37 ans. Tout le monde dit, si l'UDPS a eu le pouvoir. Non, je suis en train de parler. C'est une figure de style, mon cher frère. Il y a un expliqué. Non, Nazam, tu as eu l'UDPS. Mais bien sûr, écoute, tant que tu as eu l'UDPS, tu as eu l'UDPS. Ah d'accord, mais bon. Quand il sera né, on va présent, on va faire un test. Au bistro, on va faire un test. On va éviter ce test déjà. Mais il faut attendre que ce soit un test. On va faire un test de 3 ans. Si on dit que ce soit un test, on va faire un test. On va faire un test. Papa Etienne Tshisekedi, il y a un test. Il y a un test. Il y a un test. Dictateur. C'est-à-dire que le président Mouboué a centralisé le pouvoir. Système le paternalisme. Il y a un papa, le père de la nation. Macron est le père de la nation. Président, papa, maman, maman. Si le peuple, comment on se comportait le rôle bana. C'est une. Un vice de procédure parce que les gens ont que Congolais, hasard responsable, mais Congolais aligné comme ça la moussalaté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, président Félix a mouillé ses amis sur ma caméra. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas que Basali caniveau, Batongé Libosanda, on a eu caniveau pour la maille sur les moules, Betty Maïsanini et les caca. Mais Yosu m'a belé. Aujourd'hui, c'est le nom qu'on m'a. Chaque jour, dans ma tête, il y a un peu de caniveau. Tant qu'on a fait l'inondation, je suis là, papa m'a dit, il y a un peu de caniveau. Mais ça ne va pas. C'est-à-dire, je veux dire, ici, en République démocratique du Congo, par rapport à Mbouga Moussousou, nous vivons mal. Regarde nos enfants. Bande Mouni, tu es à la radio, à la télévision. Les télévisions aujourd'hui, c'est quoi? C'est des obscénités. Mais qui interdit, qui empêche? Nous attendons que le chef de l'État vienne empêcher qu'à la télévision, nous attendons que le chef de l'État ait aussi sa guerre. Chef de l'État. J'ai même vu, lui, Jean-Marc Kabunda. Vous avez vu comment il est a discours, il y a non. Nathan O. Sengeli, il Congolais. Totika, il y a guerre, comment on appelle, il y a M23. Tobengana, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que Moutou est lié? Lingala, il faut que nous avons un titre pour nous enfoncer tout. Est-ce qu'on dirait Moutou est lié? Si on a 6 euros, Liango. Allez, Nin, exactement. Moi, on a le bon à TV. Tant qu'on a 6 euros, Liango, Abimina Teva Lobby.
un homme qui aime son pays, un patriote, peut-il dire ce genre de choses? De vous à moi, même si tu n'aimes pas le président de la République, même si tu n'aimes pas sa femme, même si tu n'aimes pas, même si Rolingi, banane a été, famine a été, mais est-ce que quand même ça va congoler? Non, guerre, toi, on a M23, tout démobilisé, FARDC, biso peuple, tout se démobilisé, potoya ko bengana, papa Mokonzambo. Moi, on a tiré le temps et belé au long. Non, bien sûr. Pour la circonscrire. Voilà, pour la circonscrire. Non, merci. Pour la circonscrire, question nous avons chacun d'entre nous une responsabilité par rapport à notre pays. Chacun d'entre nous. Et nous ne devons pas tout attendre du chef de l'État. Ça, c'est la première chose. Ce que j'ai fait, c'est dans l'exercice de mon travail. Voilà. Un, Kolaki Sabino Makam, ne siro bonazo kende. Donc, une manière de plaire les chefs de l'État. Vous le faites pour le pays ou vous le faites pour plaire chef de l'État à mon agio poso ça. Israël Moutombasia. C'est vraiment la mentalité quinoise. Des questions. De un. Attends. De un. Ndeko Israël Moutombo, que je salue ici, fait très bien son travail. Ce qui n'a pas été dit, c'est que Israël Moutombo, alors ça, c'est bien. Et que le col a été dit, a aussi sa mère a sauté. Mais ce n'est pas tout le côté de l'Anzela. Il vous a montré la voie. C'est lui ton modèle. Là, c'est ça. C'est ça la question. Net yo, avant tout, je suis ici. Ou bien, en tout cas, il y a un peu de temps. Ok. Na koma boye pona na monaraye. Osalaki mabe, bena salaki mabe. Ti osalaki mabe. Na Congo oyo na eda bato bele bazwa misala. J'ai créé un style qui n'existait pas avant. Mais ngai na kote lango bologo, bino bosango lelo kote lango bologo te. Tu me comprends? Depuis quand un élève peut suivre son maître? Ou depuis quand un maître peut suivre son élève? Bino, c'est-à-dire que le Congo hein, to vivre mabe. Est-ce que succès ndezo sala que j'ai 24 ans de télévision. Tant on a kenaka kaye manasali na kei kuna pou na filmé na ya awa. Vital Kamerhe est président ya Assemblée nationale. Bazwa documentaire ya Maïs Shibangu ba projeté on a parlement. N'évite sur que ça salama déjà banda parlement banda. Que bazwa le travail d'un journaliste ba député pendant 5 ça ba vani bazwa tala. Ba koti ku Pou, après, bah, si, bah, plénière, bah, nico, décide, bah, mambo, ka, seri, wana. Je pense que, comme il y a des gens qui ont été c'est juste pour. Na répondre. Pour justifier. Autour d'une question. Bolobi boy, na l'année de Israël Moutombo, je dis oui. Ceux qui ont dit que l'année de Israël Moutombo, je n'ai aucune honte parce que c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Nous sommes d'accord. Mais, ce qui est au Zongissima, en tout cas, dans la bande TV avant, et puis, il y a une enquête, dans l'investigation, dans la bande NOP avant. Bon, ce qui est au Zongissima, dans la bande TV, premier, c'est-à-dire, tu crées un kilimoko pour le bateau, pour le avant, pour le bateau, pour le bateau, sima. Il y a un macabre. Et ça, on a un cas solo. Avant, on compte à plein de questions d'actualité. Il faut ton vidéo, il n'y a pas de problème. Monico Yambayo, il y a un rôle, il y a un ma personne ma munene ce va habiter luka koto okatela e na luka kote na ozoa ça va ndemo pa bi ah ozayi no sona Lubumbashi ipato vanda kati oui ozayi na Lubumbashi a un moment okende kuna otika kutu musala ngo goma no musicien et tango bande ko bayawa moni ba Israel ba sali ba TV yo boye osali chaîne na TV cha TV ba bise ayo mais siko ngai na sala attends bande ko na ngai s'il vous plaît. Na kenda Lubumbashi na longo na mentalité kinoise. Bozo ngisa na mentalité, c'est une vilaine mentalité. Na bio komara musicien aussi ka musala mu. Attends. De un. Ba ndekonde bazongi selo. Yo kangaite, il y en a pas sa réponse. Okay. Mbala simaso benga benga na bango ba yao. Et puis to tchembo. Okosana bongo de ba.
Ça c'est vraiment des collègues qui m'excusent, c'est vraiment trop qu'il en a ça ou en a été. Mais le roi va tout de même quand même à répondre et ça sera la dernière fois que je réponds à ce genre de questions. Ok. Nastil, na elobeli, na esaleli, na makamo bomo ni beyen na TVA, na batu ba chronique, se trouve en ba chronique politique. Je suis un ancêtre. Normalement, mon roi va pas passer un tas moi diplôme, mais mon abuso, mais bien qu'on magnifie ma valeur. Bon, on a politique à magnification à ma valeur. Il y a un moment où on a magnifié ma valeur négative. On a besoin de continuer au Kinamabe. Ma télévision, je l'ai créée avant. Bino tout. On a créé ma TV. On a la TV avant. On a la TKM. Je sais faire le premier plateau télé. L'ISUS. On a 1901. Ba 20 ans. On a 2000. Et bien, on a pêché. On a moins de. Oui! Au moins zéro zokota na. Attends, tu es en train d'exprimer. Nous sommes le seul pays où ce qui est un talent belé. Non, c'est bien, surtout pour vous les jeunes. Parce que la Bible dit quand tu as été ma bonne na yo et la expression na lingala, ça dit quand tu as ma bonne na yo et va na pétété et l'on yo so kwa ko sala. Sala yango po yebite sika nini nzambe akopa mola yo. C'est biblique. OK. Ne komais. Avant tout les cas, Moutouna osa libre et répondre tout là on bolo roté, ça n'a pas Moutouna. Donc la ligne si ça voilà en te disant, j'ai fait de la musique pendant que j'étais journaliste avant que je n'aille à Lubumbashi. Et quand j'étais musicien, j'étais toujours j'avais jamais laissé. Et la musique c'est un talent que j'ai. J'aimais le faire comme aujourd'hui, j'aime encore le faire. Et aussi, tu m'as appelé comme expert en communication, mais la musique c'est de la communication. OK. Vous êtes obligé de répondre à cette question ou pas? C'est à vous de voir. Si je suis obligé, tu ne peux pas dire ou non, pas. Non. Vous n'êtes pas obligé. C'est ce que merci. Vous n'êtes pas obligé à répondre à cette question. Mais dis-moi, je dois poser. Non, moi, déjà, il y a un quinoa. Et pas de problème. Il y a un quinoa. Il est tellement prétentieux. Il y pense. Connaître plus que les autres, mais il a fait sa chaîne. Si il est réellement intelligent, il pense qu'il a voulu couper sa bande court. Pourquoi sa chaîne n'arrive pas? Il y a quoi excité? Il n'y a pas un programme, il n'y a rien, il n'y a aucune émission en référence, et ainsi de suite. En quoi il est expert en communication? Il a une chaîne qui est en train de chiter. Il y a une très très grande différence entre la personne et le personnage. Moi j'habite Lubumbashi, ma chaîne est ici à Kinshasa. Si je dis, je vais peut-être mal. Donc je préfère me réserver de le dire. Ah, Osala casting en abe. Bon, Osala a raison. Mais
bope sangata mwata. Yokangai, nabi bope sangaka mwa. J'ai eu un premier souci, c'est que mes agents n'ont pas pu comprendre ma vision pour l'exprimer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mon chaîne n'a pas de Kinshasa, il y a une logique. Logique, moi, il y a dépravation. C'est-à-dire le public congolais ou le public kinois particulièrement à Lingi, il y a distraction, il y a impoli, il y a éloroté. Ce qui est un film à Nigeria. Bouché banin ba musique na ba théâtre yango ba balana yango sa audience pesa nga chaîne mo ba balana na Kinshasa ba chaka pena un vrai programme molia ah yo ba kotoki si omoni mais na tuni ou parce que ça parmi 5 chaînes ça c'est dit noisi c'est ça parmi 5 chaînes ça mais na tuni bolimi ça ba tuma na mi parce que yo bisa nga si yo ngwa ba ke papa lon le balimba na programme bien c'est la ngai na tuni te Monsieur T, Master Langa, ah, okay. Qu'il m'excuse. Yo sur la rente dans la soirée. Ok. Mayele Makasi a compris Bino. A tiré la cabine ma cambo Bino Bolingaka. Mais ce que lui. La tiré ma cambo Bino A yom to lobby. T'es la tout le monde. Tout en termes d'audimat. En termes d'audimat. Loko la Bino Bolingaka ma cambo Yabuzoba. Yango ba tiré la. Ah donc a tiré ma cambo Bino. T'es ngona yom to lobby. Sikoyo. Omoni ma cambo Bino Bana. Yango se pense à Bino. Mais il fait pas de la télévision. C'est pas une télé. Quelqu'un qui a travaillé à la RNC. Monsieur, mais voilà. Tu sais, dans la vie, on a toujours deux objectifs. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont choisi de travailler pour l'argent. Au moment où tant que mon taponi a fixé, a sali focus sur mon mot, tout ce qui est norme, tout ce qui est... Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? D'accord? Il a très bien fait cette étude. Et il a compris le comportement du consommateur quinois. Il propose simplement ce que le quinois veut regarder. Mais en termes de contenu et en termes de valeur, en termes même des objectifs de la télévision, il est dehors. Mais comme vous, les consommateurs, vous demandez ça, on vous le donne. Si quoi, autant que le biomass, n'est-ce pas que vous avez parce que effectivement, vous nous demandez de vous proposer, permettez-moi le terme, de la bêtise. Parce que ce que vous aimez regarder à la télévision, c'est la bêtise. Et les personnes intelligentes qui n'ont pas choisi l'argent comme leitmotiv ne peuvent pas travailler comme il se doit. Monsieur Maïs, on ne peut pas problème dans le monde. On ne peut pas avoir problème. On a posé un problème. On a parmi les doyens. Avant, on a parlé de l'actualité, de la politique. On a parlé de l'actualité. Mais ma question est de demander au fond, on a parlé de l'actualité. Ndeko jama rika samba ota epoto ya akuta ba TV na Kinshasa ya bongo bongo parce que soyo boy pa moler mais tozu télé 50 le vieux là selon plusieurs personnes a yé ko changer image à TV. Oui. Sa chaîne batu balanda ngo mingi. Et vous êtes expert en communication. Comment lui il est arrivé à captiver tu as capté batu. Parce que ce aujourd'hui télé 50 aujourd'hui Molière ils a même programme té. D'accord. Mais quand même on les suit pour les on a cité Gaïe. Nalobi Boy. Si vous êtes du côté, il y a pas bon sens, il y a pas Makambouéza. Nalobi Boy. Est-ce que tu connais le budget mensuel de Télé 50? Olo ba naluka makam, pana yom to luka makam. Po makambotu no ebiango te. Est-ce que tu sais? Parce que moi, je connais le budget. Ok. Oyimi muta sala Télé 50. Problème. Oh papa, nga na tangoma mudu na lobi. En termes d'équipement, en termes de plateau, en termes d'investissement régulier, parce que après, à la télévision, il faut payer les gens qui vont en reportage, il faut bien payer les journalistes, il faut faire des bons castings. Tout ça, ça demande de l'argent sur le budget. Il a eu le budget qu'il faut. Pour faire ce que vous voyez, si on est ingayeux, nana on peut s'arrêter. Pour mailler les anamou, mais mailler les pamba ne suffit pas. Il faut qu'on mette à ta disposition les moyens de ta politique. Ce que bisous tous au bout, nara na efo perso. Na mambo on envoie journaliste on envoie muke na sali moi chaîne. Mukolope na kozwa, mutoa kunima, a sponsorisé nga, loko la batu. Parce que sponsorisant Jean-Marie Kassamba, je pense qu'on peut arriver à faire du travail de bonne qualité. Donc vous confirmez ici que TV Nézana Ngo TV à Bongo Bongo. Merci, on a compris, hein? On évolue avec Monsieur Maïs. Seulement une minute.
Je préfère te prévenir que ce soit au Kenanga Nengwana, au Kenayo Nengwana. Non, non, tu es plateau. Et là, tu es solo, sur cette événement, il y a un homme qui est là. Non, non, problème est exacté. Je vais vous prévenir. Et ça n'a pas tout basala yango. Et je suis sorti sur tangi parmi 5 journalistes basala bilogo lingosa lelo biso sala pia 20 ans na na kati. Si elo ine na voye ko pesa yo na voye ko pesa yo cour na plateau na yo. Et ba téléspectateur ba beto ka na basala basali. Ndego mais. Na prévenir ndego mais ti ba expert en communication. Elo ine sivik sur na question na. Na non non. Est-ce que mon toi silika lo wa? Na conclure ka na lobby na lobby. Te to continue. Oyo na ba moyen te. Donc on a lancé appel na batongo so ba na mbongo il est c'est un expert en communication, il n'a pas de moyens. Alors, ce que vous voyez au Sungaye, donc, bon, nous avons un mot, on a TV, on a TV à Bongo Bongo, ils ont et quoi que ce soit ma coquille, ils ont normalement c'est réalité. Voilà, ils ont peut-être amplifié mon lobby. Merci. On évolue avec l'actualité avec expert en communication, monsieur Maïs Tshibangu. On dit qu'il est très proche du pouvoir, il est dans les couloirs présidentiels. Balobi, il est dans les couloirs présidentiels. Quand il communique, vous sentez le fascisme na katinae. Moi, na mboka. Na tuna mutunate. Vas-y. Toko telema. Vous n'avez pas comment m'intéresser. Non, non. Réalisateur, non, ça. Quand vous communiquez, non, non. Ça va. Vanda, quand vous communiquez surtout, on sent que vous faites les Sankara de Kunta de Félix Tshisekedi. Ok. Donc vous êtes contre Batwebele. Mais vous voyez seulement les chefs de l'État. Vous les faites parce que vous voulez à réussir ou vous les faites parce que vous voulez un positionnement dans le régime même. Ok. D'accord. Je vais répondre à votre question. La première chose. Je suis allé à Félix Oazé à l'Obar. Je suis allé à l'Obar. Tu n'as pas abandonné qui a ngoyo siko yé on a vu sur que soit on a vu aux amours on a mouké bah t'es sur bah on a fini yo siko yo bateau bah la narrative bah yébi ke muta abandonné qu'est-ce que tu peux expliquer quand on a abandonné quand on a kenaka kaema quand on a abandonné au sein de l'investigation soit tu as vu une liste à bateau bah ça l'a rabino news tout au bout ça l'a raté yali bosso comment est-ce qu'elle est merci oh là là ou bien toi tu vas toi tu vas zongelier mais tu m'as posé une question tu m'as posé une question je suis en train de te répondre répondez alors Obenga Sankara de Kunta ya Fachi. Nabi batu balopi. Ngako batu bino obenga nga Sankara de Kunta ya Fachi. Pourquoi vous voulez me minimiser? OK. Est-ce que ngai je peux être comparé à Sankara de Kunta nanini? De Fachi. Non, d'abord, tous on a nos termes oyo lobby. De Fachi, il y a pas de problème. Pourquoi vous voulez me minimiser? Est-ce que moi vous pouvez vraiment me comparer à Sankara de Kunta? Ce que je fais à la télévision, est-ce que ça ressemble à ce que fait Sankara de Kunta? Est-ce qu'aujourd'hui la personne qui fait la communication du chef de l'État peut être comparée à Sankara de Kunta? Est-ce que ce que Sankara de Kunta fait, c'est de la communication? Voilà, vous ne connaissez. C'est-à-dire que vous critiquez sans comprendre et sans même connaître la signification de la communication. Monsieur, je suis expert en communication, je ne rigole pas. C'est une sorte de fanning à toucher le tableau, on a une norme communicationnelle. Na baïnon na télévision, après tout, qu'est-ce qu'on a communication? J'ai fait l'université de Lubumbashi, l'UNILU. J'ai eu une licence en marketing à l'université de Lubumbashi. Le jour où moi, Miles, Nazo s'est présenté par le directeur dans la PCE, thème, il y a travail dans la. À même on a bureau, on a tout cas moi. L'emploi du mix marketing dans le système politique congolais. Cas de l'Assemblée nationale. Pour bailler un titre, non, le marketing à la Bralima. Pourquoi? Parce que la notion de apprendre un mot, étudiant, il faut que ça soit apporté
valeur positive mon na bato ba kotanga musa ne pe la génération future ça dit ngai musa na ngai travail na sa na 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 comment on appelle na université ba kotchango le toke na on a parlement ba parlementaire ba tangi je te cite un nom de monsieur Dédé Mopassa qui est aujourd'hui, voilà qui est aujourd'hui parlementaire va lui demander parce que la personne qui m'a encouragé à faire ses études c'est monsieur Dédé Mopassa pendant que ba joie c'est belé ba pendant que nos singembo tu comprends. Et après ça, même Moutoumoro a conduit dans mon salawana. C'est-à-dire quoi? Je vais ouvrir une petite brèche. Ok. J'ai, pour te dire que je ne suis pas Sankara de Kunta. Et que ce que je dis à la télévision, je peux le défendre devant n'importe qui. Au Tchéao, ou même à ma professeur d'université, Tokobeta na Bangotolo na Otolo. Ce que Sankara ne fera jamais. J'ai dit ceci. Considérant que nous sommes dans un système politique où nous avons un parlement. Mais le parlement de la République démocratique du Congo ne communique pas ou n'a pas un centre de communication pour le peuple ou azali ko autorité conseiller le ko la cible à comprendre to à consommer ba loi ou ebimarana na parlement. Vous allez comprendre là. Parce que ba parlementaire de bazawana ba votera ba loi. Au loi boebimi, au loi boebimi. Mais la loi en attendant, on va saler, on va tirer les gars dans le Parlement. Pendant que le peuple a consommé, en gros, pour le peuple a changé mentalité, n'a pas comportement, n'a vis-à-vis à l'évolution en Boka. Et j'ai proposé, moi, ce système-là. Si vous avez commis en Boka, mais jour où vous avez moyen, vous le marketing appliqué à l'institution présidence de la République. Comment est-ce que nous pouvons communiquer pour le chef de l'État? Mais est-ce que vous n'entendez pas ici tout le pays en train de critiquer, de dire la communication du chef de l'État ne marche pas? Oui, la communication du chef de l'État ne marche pas. Excusez-moi, les communicateurs du chef de l'État, je voudrais ici analyser. Simplement, pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle de l'information. Le chef d'État n'a pas une cellule de communication, il a une cellule d'information. Tout ce qu'ils font, c'est de l'information, ce n'est pas de la communication. Pas du tout. Pas du tout. La communication, c'est tout autre chose. Il est entouré avec le doyen Paul Diaké. Paul Diaké, c'est Awa. Tu as un livre, tu vendis, tu lobby français. Vous pensez que ces gens-là qui entourent le chef de l'État, ils ne savent pas quoi faire pour que la communication du chef de l'État... Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, et j'aimerais que ceci soit bien entendu. Ok. Dans le cabinet du chef de l'État, on ne fait pas de la communication, on fait de l'information. Pour n'en lier au tenté, je vais te donner une petite, je vais te faire une petite analyse. Pas de problème. Dans la communication, on appelle ça communication élémentaire. Il y a l'émetteur, il y a le message et il y a la cible. Dans toute la communication, l'information ne vient pas avant. C'est-à-dire quoi? Le message doit être étudié. Le message doit être étudié de la manière à ce que le récepteur adopte un comportement que l'émetteur voudrait lui faire adopter. Par exemple, Kagame a tellement bien travaillé sa communication que nous les Congolais, nous avons la communication à Kagame sans le savoir. Nous passons tout notre temps en insultant Kagame, en pensant que nous lui faisons mal. Mais Tomati Komo et Kagame dans le monde entier, aujourd'hui on parle d'un... aujourd'hui on parle d'un Kagame, mais on dirait un président fort parce que Bissoba Congolais, Topesi Makassiwana, pendant que c'est un nul, excusez-moi le terme. Mais ils ont bien compris. Je vais te donner un deuxième exemple. Okay. Kofi Olomide. Qui aime Kofi dans ce pays? Qui aime Kofi? Sotuni Batu, 100 personnes. 1,2 personnes te diront Nalingaka Kofi. 1,2%. Il y a Batu Babiso, Ngaine Nazaboye, Nalingaka Kofi. Non, tinde l'émission. Tinde la. Mais. Il y a une statistique au sala. Vas-y, papa. Je suis. Papa, moi je suis un scientifique. Je ne suis pas dans vos histoires de discussions banales. Notre ambassadeur, voilà. Il est le plus aimé. À la première année, il était le seul au chef de l'État à Pessi. Passeport. Oh là là. Rouge. Oh là là. Tant qu'on dit que été bon. Oh là là. Je voudrais maintenant. Koko Manapoint Yoko. Ok. Mais quand tu regardes les musiciens, quand tu regardes parmi les musiciens de sa génération et de la génération qui suit, au moins que Kofi est le musicien le mieux consommé. Consommé mais sans aimer. Voilà. Selon vos commis. C'est-à-dire, les gens consomment Kofi, les gens consomment la musique de Kofi,
Mais, humainement parlant, on ne l'aime pas. Ou les gens ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que Kofi a un style de communication qu'on appelle la contre-promotion productive. C'est-à-dire, il y a face à la rame à moi, ma bé. Aouyabo, il y a un plateau TV, il y a un awa. Garçon, il y a un bogar, il y a un comment il y a Jonathan. Attaque là, yé. Et ce qui s'est passé, plusieurs semaines après, j'ai vu sur votre chaîne de télévision, on a continué à relayer le message, on a continué à en parler pendant que l'émission était passée. Mais vous faisiez la promotion de Kofi sans vous rendre compte. Vous pensez que vous attaquez Kofi? Non, il aime ça. S'il n'y a pas d'information, il va créer, net dernièrement. Il vient de publier sur les réseaux sociaux une de ses photos, torse nu, n'a coupé, n'a sapate mouya, yabasi. Mais la la photo a fait objet d'une publication. Tout le monde a publié la photo. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement Kofi Fali Azo Bimisa album naïe. Pour que attention à Batou et à l'autour et album ya Falité, il vous. C'est-à-dire qu'il y a une diversion, il crée une diversion. Et tout le monde parle torse ni à Kofi, Sapato Bassi, mais il a réussi son coup. Mais c'est ça qu'on appelle de la communication. Il a atteint son objectif. L'objectif, c'était lequel? De faire que Balanda, Kobi Maya, il y a disque, il y a falité. Si vous avez attiré l'attention à Bino, merci. Bino, pourquoi Miko? C'est ce qu'on appelle la communication. La communication vise toujours un objectif à la fin. Quel est l'objectif que j'ai en disant quelque chose ou en faisant quelque chose? Et je vais appliquer les méthodes pour que le consommateur, c'est-à-dire public, va adopter comportement. Il y a même tout un cours en marketing qu'on appelle le comportement du consommateur. Merci à M. Maïs Chibangu. Vous avez donné vos éléments des réponses. Je salue mes professeurs. Professeur Kamba Iwacha, professeur Tonda. Je sais que... Tindela professeur. Kamba Iwacha. Vous m'avez dit que historien. Son ami, monsieur professeur Kamba Iwacha, Masalanga Onima. Tout le monde a débat, moi, il m'a enseigné. Voilà. Mais si vous professeur, n'ayez pas de langue. N'ego mai c'est chibang. Au moins, on se déchaîne. Oh, papa, on se déchaîne. N'as-tu qu'un autre temps à boire avant de déranger? Au lobby, tu vas comprendre. Mais tout le monde a ma camo est allé politique. Parce que vous voulez aider les chefs de l'État, le régime. On n'aide pas le chef de l'État. S'il vous plaît, je peux terminer ma question. On aide. Non. J'aimerais d'abord que tu retires ça. On n'aide pas le chef de l'État. S'il te plaît. Le chef de l'État est le garant. Zéla. S'il te plaît, le chef de l'État est le garant des institutions. De la constitution. On n'aide pas. Qui suis-je moi pour prétendre Zéla. Vouloir aider le chef de l'État? Zéla. Moi, je fais que poser les questions. Moi aussi, je ne fais que répondre à Balobi. Que M. Maïs Chibango veut aider le chef d'État parce qu'il y a un besoin. On n'aide pas le chef d'État. Le besoin est que l'équipe du chef, même communicateur, il y a eu des pèses, bazar, co-vendre image à chef ambienté. Au moment que chef a tout ça, la réalisation, pour soutenir son frère qui est Louba. Pas de problème. C'est l'homme Batouning et Balobi. Alors, les gens veulent savoir. Le chef de l'État, bientôt là, tout le monde élection. Analyse d'ailleurs Zalinini sur ses promesses données, sur ses réalisations. Oya Sali, pensez-vous qu'il a fait mieux? Élection en 2023, il peut avoir la confiance de la population. Premier élément. Son frère qui est Louba. Yola mon Louba. Mais tout n'en est pas. Nani, papa, pardon. Balouba balia. Balia. Banani baba Louba te. Ayola mon Louba te. Donc, yon n'en osa filmé n'osa caméra, mais yon n'en osa filmé n'a. Osa des chefs de l'État. Osa li ma bé. Kasi. Question est dérangée. Oh. Mais pourquoi nous sommes bazo répondre aux besoins dérangés? Mais tout nous sommes dérangés, yo. Et la question, t'es? Au moins, nous avons une question. Qu'est-ce qui nous a été?
kumi sakaka lobake zana expliquer lobake moni atukone ozo sala pona chef de l'état ezabie tozo sepela nango bato ba lobai ke communication chef de l'état zo tambola teza ngaite binone mbomoni bomoni peke maisa ye mama maisa osala ezabie bo bana ko beta ba do ko apporter moi implication ba de mosa kaka mais malgré explique à moi pas de problème mais non mais to kumi sa yesu les congolais n'ayons pas honte. Ce que Moutassa dit, Malam, Moutokoum, Isaïe, Soutoloba, Alléluia, Amen. C'est une très bonne chose. Okay. La deuxième chose, mon cher frère, arrêtons de désacraliser l'institution chef de l'État. Nous faisons mal pour notre pays. Les personnes qui veulent aujourd'hui désacraliser, insulter, diffamer le chef de l'État en pensant que Yangom Théo Salabango. Non! Non! Non. Parce que un jour, Fatih ne sera plus président de la République. Ça va arriver certainement en 1952. Mais Moukolo, président, on a Moussou Saroya. Moi, Sugo, vous violez la Constitution. Tant que certainement, à 52, vous avez bien constitué et si mandat mon renouvelable deux fois. 52, Fatih, comme à la 52. Moi, nous sommes bloqués. Et l'or, moi, on a changé. Donc, Kabila, on est modèle, Nabino. Vous voulez glisser encore? Yo, quand même. Et l'or, on a changé dans mon utilisateur la Bible. Mon Bible ndé nzamba komelango yango pena don evanda biso ne to s'adaptera na Bible bo wo nzamba mon Bible asika bo bona ah non mutomo bo Paul il y a 2000 ans ça lobelango mais la constitution se change. Ah, donc Kabila était un modèle pour vous parce qu'il voulait changer la constitution. Il était un modèle pour vous. Ah, OK. Je suis en train de te dire une chose. Je ne suis pas membre de l'UDPS. J'ai choisi un parti politique dans Obimisango Kalaming était à Bomona, parti politique dans na Kota et nabi ke batunyo so balinganga, ba kota na parti politique. Même ça ngo kota na parti et les en temps. Ah, alors ça peut parti politique. Naiba yite ka sa parti politique. Bon, bref. Sikoyo. Omoni constitution va changer. On a lobi te ba changer constitution na zo pesa yo analyse pe penser na ngai. Analyse ils a tenté na mama mabé à glissement. Ah, est-ce qu'il y a des mandats? Yo, tiens, à 2050, on est nini. Glissement la Kissini. Hein? Glissement la Kissini. Kabila salon à 2018. Bon, il faut copier. T'es na tout ni glissement. Il y a un kabounda loba qui a un yongo. On sali par tous les moyens. Allons à l'union. Parce qu'il a dit, il y avait un projet à glissement, mon robot, il y a 2 ans. Donc, yo, comme vous communiquez pour les chefs. Glissement et la Kissini. Vous êtes un électron très dangereux selon les autres. Je voudrais te dire une chose. Denazabou, il y a un bigou, t'es sauf à Tchaïbingaï. Regarde-moi. C'est pour la consommation de la terre. Non, non, non. Regarde-moi. Je voudrais te le dire vraiment à cœur ouvert. Sur la tombe de ma mère. Naïbi kouté sauf. Ti na ligara na TV boye. Ti na lobara boye. Mouta ti na ranga ti. Ce que je dis, j'en suis convaincu, moi, Miles. Et je vais te dire aussi une chose. De par l'éducation de mes parents, je suis quelqu'un, c'est-à-dire que je suis un homme de conviction. Yango moni ti 18 ans mabouina. Nakota na mamulia pouvoir na bangote parce que je n'étais pas convaincu. 18 ans, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire combien de fois j'ai été sollicité pour faire partie de certains groupes, pour faire partie de ceci ou de cela, mais je n'ai jamais. Il y a des moments où j'étais tellement pauvre, j'étais tenté. Ma famille m'a appelé, me dit, bah attends, mais t'as besoin de construire, t'as besoin. Je dis, je suis pas convaincu. Ok. Donc, Némi Milan a topé sur Mbote, Boshab, Mbote. Pour comprendre le Rwanda. Luman Mbote. Boshab, qui est un de mes oncles d'ailleurs. Je te dis, je n'étais pas convaincu. Aujourd'hui, si je parle à la télévision au nom de Fatih, je voudrais te dire pourquoi. Pourquoi? C'est parce que c'est un homme, pas d'abord lui-même. C'est un frère en Christ. Faïl Baza frère en Christ. Ah! Il a fait ça pour. T'es. Connais ça? C'est quoi dans le Bible? Tu vois Fatih? Ngaï. Fatih. Na Faïl. Tout ça, mais l'église, mon corps. C'est quoi Fatih? Il y a Faïl na yébité. C'est quoi Fatih? Est né de nouveau. Baptisé. Je suis en train de me dire. Bissoba chrétien, surtout Bissoba frère à Philadelphie. Imaginons, pour que vous y ayez, parce que nous avons tiré à Banana a été. Imaginons par l'absurde que Fatih est sous son mandat. Tote les mawapi. Ba fin à convoyer sous gratuitement à Boué. Olanda a ma prophétie, y a pasteur Dalo. Oui, Olanda. Mais c'est mon pasteur. Olanda. Oui. Ok. Continue. Merci. Si quoi, ba fin à Fatih à Boué. Non. Nous devons nous battre. Quand tu as dit Fatih, c'est ton frère. Fatih est mon frère Moulouba, mais Fatih est mon frère en Christ aussi.
Et j'ai le devoir, et je demande à tous les chrétiens du Congo, nous avons le devoir, pour le nom de Jésus, de soutenir Fati. Nego Maïs, comment est-ce qu'on a diversion diversion s'il vous plaît. On a posé Moutouna à Moutouna Anine. Qu'est-ce qu'il a fait pour au soutenir ce qui est l'élection en 2023 ah. Bah, tu vas retenir ni documentation ni nous comme maillé là pardon documentation en Gézali. Il y a ma documentation, il peut entrer hein, pas de problème du seul rue mais elle en ouvert ya, ya. Il peut venir il y a là non c'est blanc c'est va comme là qui c'est là comme là qui est documentation en Gézali pour passer un téléphone en Gézali. Ah donc maman il faut le faire dans le téléphone mais papa n'a bien mutu pendant les aboué à sali plus de 100 écoles là ça on a mutu dans ma campagne là bagaille ça Félix tu sais que yo il faut dans le téléphone donc la minute c'est ça la minute on est au vanibo non rappelle à Kabila 5 chantiers révolution de la modernité Bukangalonzo na tangelo moi belé hôtel du gouvernement moi bleu en union son ya Kabila c'est là. C'est là. Ils visible. C'est là, c'est là, c'est là. D'abord, on a eu ça, on va m'en m'abouer TVT. Oh, si tu comme intimidation à plateau, non, 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 non. On a tellement de réalisation. Entre nous, je suis aussi journaliste, dans ce conseil, caca. On a eu des éléments honnêtes, on a eu ce conseil dans le montage pour le Katan. T'es au Katan, t'es dans le Bibou, hein. Koulbabilo, on a eu la TVT pour Nanda, on a eu ce cas. Nandé. Révolution de la modernité. Et Zanine. Et la réalisation d'une révolution de la modernité. Pourtant, parmi la réalisation de Kabila, révolution de la modernité, la réalisation d'une. Et ça, Ndakou, tu es un prince. Et ça, Nini. Yo, mon élote. Et ça, Nini. La pêche source, qui est la télé 50, tout ça, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Dans Véja Maïka, ça m'a fait qu'on s'en est. Dans Véja Maïka, ça m'a fait qu'on s'en est. La tunique à cité, jamais qu'à ça m'a fait qu'on s'en est. Tout ça, c'est lui. Yo, mon élote. La pêche sur réponse. Ok. Le Tangi, au cossi, c'est-à-dire, on a la maîtrise et l'obité. Parce que, s'il te plaît, laisse-moi te dire. Okay. La révolution de la modernité était une vision. La révolution de la modernité était une vision. Bon là non. Ma camo onion surtout au Jamaïque ça m'a donné la télévision. Merci beaucoup. Première fois. C'est dit doudou. Mais pourquoi on a monté le ngel tsegé des ana. Na bi bozo ngel ma fo anine. Bozo ngel bo ala ba papier onion surtout bozo ngel ma fo anine. Na moni papier monde photo tsegé na ngina ta la sogi yango. Yango. Mais o tuninga ba attends, si on a le bi boy. Bon, a tuninga ba réalisation Fati, est-ce que c'est normal? Ma bu nene. Nabi Patin Kieri. Ok. Abana Rosala na télé 50 à l'époque où tu l'as mis. Mais Patiala n'a pas besoin de t'amboute. Yara Koulou, Yara n'a pas besoin de t'amboute. Osa parmi ba légende de la télé 50. Mon frère. Non, non, Osa la légende. Mon frère, si on a ligné au témoigné, que Bino Balomo l'a mis dans la télé 50, Bosa la rébellion pour Bambo, on a Bino Mabouna Banda au Pessan, on a foutu à Bino. Des rébellions. Balomo a mis son Balomo l'a mis sur le. Mon problème est à tes Balomo pour la télé 50. Oyo papa wana bana ko futa bango bango bana ko zwate et puis na mamba révolution de la modernité ba journaliste ebelé à télé 50 ba sala misala na compte révolution modernité ba futa maté et puis na révolution de modernité yo kangai té asala té asala wa on modien mbele pa na inde nini yo kangai on se langa pe osala on modien mbele ko modien mbele té répond na question na ngai merci kulu papa. Mais na tribunal ba benga ba témoin. Est-ce que monsieur Makamu mais si banga le besoin solo. Bon ton nimi que parti. A témoigné que mambe belé au moment na télé 50. Oh bon c'est a témoigné té. Problème est daté. Yo boy mais on a tié mal le vite. Ba to ba na sima bozé là. So ina kosi ganga kuna ba yo kina kosi. So na kosi ganga. Siko boy, moi ma bébé bon mon télé 50. O ben changer sur ya nini. O ba rap moko ba oyaba kotonga ba immeuble moko et si la te suka na nini na na gare centrale. Bilo wana nyoso tu, ba benga on poudre osier. Fufu na fufu pour et loko salama ezate. Moi ya gangi te seke za yeke. Oh, toki. Voilà. Tu es là, on va crisier. Toi qui continue ton blanc non là, moi mon bébé de là. OK. Ya ya. Félix tu sais que dit tokende. C'est bon pas ça, mais me semble ça va bien. OK. Si on a besoin de mon ba téléspectateur mon nganga. OK. Stabilité du taux de change. Banda Félix tu sais que dit à comment président de la République. Taux de change est stable. À côté on a 16,20. Papa wana siko kende ko tuna président Ukraine. Yo kangai ah tokei. Kende ko tuna Rissi na Ukraine. Ba on aime ba koti si guerre. Même banda mukile banda pour la première fois euro et kiti et comme na niveau mona na dollar. L'impact ya guerre wana ils ont frappé le monde entier. Ce n'est pas le fait de Fati. OK. Merci. Réserve de change. Et comme na 4 milliards. On a habité, bat, ah non, on a compris. Ils ont besoin de voir. Donc, Bino, Bango, Nabi Bango.
yom wa représentant na bango. Donc yom na tout na ndé mituna na bango. Ya on a voilà, autre mituna na bango. Yebisa bango bo moni. Développer zanzungu na yote. Mboka ezanzungu na yote. Eza mambo yebisa ba tout. Kabila wa sa banzela to lia banzela. Lelo boni ko ko bata mala semana. Na lobby boye. Tant que salaire y a bas fonctionnaire, tant que salaire y a bas soldat, tant que salaire y a bas professeur et mati, pour toi y a pas de changement. Pour n'appeler ça au barème, y a salaire y a bas soldat. Tout bien y a bas soldat, ah bas loba, ce qui salaire n'a pas moins mati ou pas. Barème n'a combien? Ma. T'es un yo mon tanga bleu non? Mais soit eh? Non non. Tanga bleu na yo yé na mon. Tanga bleu na yo. Barème salarial y a bas soldat et mati. Barème. Comme il a combien? Ah, et ça passe pour le bango. Papa, c'est un. Bah, soit d'abord l'andayo. Olega na bakan. Olobi? Olega na bakan. Bah, l'andayo. Bah, puis non, mais on passe pour le bango. Non, non. Bah, en fait, j'ai un souci avec les journalistes quinois. Vous prenez des choses importantes, vous me semblez banales. Combien? Ça, non, 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 je te dis. Je vous non, à mon ami, question. S'il te plaît. Ok. En fait. Tu me mets mal à l'aise sur ton plateau. Ok. Nous sommes en train de parler des choses tellement importantes, même sur Todo Seka. On comprend, hein? Mais il ne faudra pas que ton commissaire Ngoneti et comme on dirait blague tout ça parce qu'il s'agit du pays, il s'agit de la vie des gens. Je t'ai donné un document officiel, mon cher frère. Quand tu dis combien, et ça pour nous ngai ce qu'on est dans ça, pour nous on a banagoye bisayo, ou bien dans la télévision, ma cambo yoko l'obama TVT. Nous sommes responsables. Oh, monsieur Maestu Chibang. Non, je suis en train de te dire un. Si les salaires de députés. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. Bah, salaire, monsieur Koué Banadé. Il y a des choses que vous devez comprendre. Tu m'as invité en tant qu'expert en communication. Je ne suis pas membre de la cellule de communication du chef de l'État. Je n'ai jamais travaillé là-bas. Pour le reste des sujets, Benga Bango, Bossana Bango, par comparaison. Moi, je te dis juste que ici, tu as un document officiel, vous comprenez, qui reprend. Tous les barèmes salariaux, il y a bat, oh, le président Fatina, le gouvernement, il y a Matse Libango, salaire. Ce qu'on a doute, alors, Benga Basoda, Benga Basoda, Nakosi, apprend que le salaire, il y a Basoda et Mati. Le reste, j'aimerais que Bato Balia Mbongo, il y a l'État, pour Nakosa, la Moussala, oh, il y a Moussala, Yango. Si je refuse de le dire, c'est simplement parce que, évidemment, on a été venu dans mon moment où on a été dans la communication chef de l'État. Non, je ne travaille pas là-bas. Bango bato bazwa mbongo wana chef d'état futa ka bango pour passer musalo ba ya benga sans un numéro na bango tena opesa numéro benga bango ba expliquer au tableau parce que moi le tableau c'est un tableau comparatif et ba élément scientifique c'est que li bato ba ya ba ba sa ba statistique en 1900 de 1900 de boezaka na boe de nini boezaka na boe de nini boezaka na boe soto bandi ngo okota musoko ye bango te et ba bilo musupe na zo bigisa na ngayo oh monsieur Maïs. Mais on a ébisu yo tol kené maga musu répondez de ma question appel au peuple de juger ya on a lobby pour voilà. Okay. Donc, je t'ai dit, les recettes publiques explosent. Nous étions au départ de Matata, à peu près, je pense, entre 3 et 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 milliards. Comment on appelle ? Budget à l'État et matité. Alors, quel est l'impact de ce budget dans la vie sociale à Bakongole ? C'est là où il y a la question. Impact nango sur le social des Congolais. Pouvoir d'achat, elle colo dans c'est compliqué. Donc il y a un cours. Pas de problème. Premier élément. Fatih est arrivé au pouvoir dans quel contexte? Première chose. Covid. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Quand Fatih arrive au pouvoir, je pense quelques mois après, Covid est bloqué l'économie mondiale, Mobimba. De deux. Nous-mêmes, les Congolais, oui, c'est les téléspectateurs, avant de ma place sur Lingi. Est-ce que le Congolais paye les impôts? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en français un devoir de redevabilité. On ne peut pas demander à l'État de donner pendant que le citoyen ne donne pas à l'État. Je suis sûr que le patron a eu, na kati ya salaire, na ba kata kambo moko. Les citoyens, il y a certains marchés, parce que j'apprends qu'il y a certains marchés où il y a des patentes. Et c'est un journaliste,
on l'a qui s'agabango par exemple que monte sengela futa kapa konaye pour na bateau basalaka monte sengela futa kapa ko yaba locataire par exemple a futa kapa ko on va bien un foncier que je veux dire comment on appelle taxe la taxe foncière pour na bateau bah na mapango yango wanande est constitué à caisse ya l'état évidemment na bambongo ba mine bilo musu tote kaka est constitué à caisse ya l'état. L'État, si quoi, bon, on a yango afouta raba salaire, atong rabi loko, pour na population. Le problème est abo yende konangai. On n'a pas construit Rome en un jour. Le budget de l'État augmente, les dépenses publiques sont aussi élevées. Nous sommes aujourd'hui, je voudrais te donner un exemple, une économie extravertie. C'est-à-dire que tous autres dépendent de l'économie extérieure. Et c'est rien tout important car farine, par exemple. Pour nous saler là, bateau, mapa. Et c'est que tout important, comme Piodi, Loso, Soso, XYZ. Bilo, on a nion surtout. Dans le monde, au biso, tout important, à cause de la guerre, est mati. Parce que bateau, et c'est que l'on a Ukraine et à Boye, et comment on a tout le Moulaï, comment on appelle Turquie, pour nous voir. Bilo, on a nion surtout sur le plan mondial, est mati. Et de deux, depuis longtemps, le Congo, nous sommes un pays. Un pays de guerre. C'est-à-dire que et l'oro oyo même trajet au bateau en ezozoa pour na euta mboka oyo sengeli euta place de biso to importer biloko ya na Congo. Biso lokola to na d'abord un toi na marchandise ya kotia na bateau na te ezonga et de deux to za pays à risque. Bateau si faut to foutre par exemple 10 millions biso faut to foutre 30 millions pour na couvrir risque ya ba armateur. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que $5. Ça, ce n'est pas le fait de Fachi. Maintenant, pour que les Congolais soient avec nos opérateurs économiques, avec les intelligences des jeunes que vous êtes, pour que Makamona soit régulé, parce qu'aujourd'hui le Congolais est payé régulièrement, et c'est pour que le pouvoir d'achat et atteindre niveau de seuil aux populations aux là. Biso, tout le monde a réfléchi à ce que nous avons ça. Un, nous par exemple, mauvaise publicité autour de la guerre de l'Est. Moi, j'habite Lubumbashi, j'ai des partenaires qui veulent venir à Lubumbashi pour investir. Ils te disent, vous êtes en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre, le Congo n'est pas en guerre. L'Est du Congo est en guerre. Mais au moins, il y a que publicité, au moins, il y a que publicité, au moins, Congo, au moins, en guerre. C'est le fait de qui? De Fayoul. C'est le fait de qui? De toi. Les journalistes qui passent, qui tous les jours vous relayez les informations de la guerre, un peu comme si tout le pays était en guerre. C'est la méchanceté. Nous devons comprendre que l'économie du pays ou que le progrès social que nous recherchons, est que Fatim Toufam et Melabis au progrès. Le développement est une prise de conscience collective. C'est-à-dire, quand nous, les fonctionnaires de l'État, nous continuons à voler l'argent de l'État, mais nous demandons à Fatshi de nous payer plus cher pour que toi atteignes le pouvoir d'achat. Alors, ça, on n'a rien. Monsieur Maïs, le temps nous fait défaut. On ne vient pas au pouvoir pour se plaindre, on vient plutôt pour donner des solutions. Je ne suis pas au pouvoir pour ton information. Non, non. Merci beaucoup. Je ne dis pas ça par rapport à vous. D'accord. J'ai dit, quand on vient au pouvoir, on vient avec un programme, on ne vient pas pour se plaindre, on vient pour trouver des solutions. Très bien. Par rapport aux problèmes trouvés dans la nation. Il y a ceux qui pensent que les régimes, tu sais qui dit, ces régimes se plaignent trop. Mais parce qu'ils pensent... Non. J'aimerais te dire, ces gens-là pensent que le Congo, c'est eux. C'est, le problème avec le Congolais, ça veut dire quoi? Ceux qui ont la linzala, le bébé, ils ne sont pas Congolais, tu as la linzala. Non. Mais... Posons-nous la question, les Américains nous disent, ne nous posons pas la question de savoir ce que le Congo fait pour nous. Posons-nous la question de savoir ce que nous faisons pour les Congos. Nous sommes à plusieurs, les jeunes, tu vas voir, les jeunes, ils sont là dans la rue, en train de discuter de comment, du football, sur les femmes, mais personne ne veut travailler. Merci. Monsieur Maïs, on est à la fin, je pose une dernière question, ça serait également votre mot de la fin. Quelle est votre analyse par rapport à la présence de Monsieur Blinken, Tony Blinken, par rapport à ce qu'il a dit au Rwanda et par rapport à l'invitation de Mama Denise à une dame
qui avait presque injuré les chefs de l'État. Presque. Ah, mon Donc, maman, presque injurié. Par rapport à cette dame, est-ce que c'était une mauvaise chose d'avoir... Que la dame insulte. Est-ce que c'était une mauvaise chose qu'on puisse inviter cette dame, la remettre une Bible? Sur le plan de la communication, ça a joué en faveur ou en défaveur? C'est également votre mot de la... Je pense que sur le plan de la communication, ça a joué en défaveur de la première dame. Cette femme ne méritait pas d'être invitée. Pourquoi on l'invite? On lui a donné trop d'importance pour rien. Je vais te dire pourquoi. Dans ce pays, nous sommes en train de souffrir parce qu'au dialogue intercongolais, on a donné le pouvoir aux belligérants. Tu le sais? Aujourd'hui, les gens qui veulent aller au pouvoir créent des petites rébellions à gauche, à droite pour espérer devenir un jour ministre. Donc demain, les gens qui voudront voir la première dame vont commencer à insulter en espérant que la première dame va les inviter. Je pense que sur la communication, cette femme aurait dû être fouettée. Ok. Ça veut dire on la prend, on la fouette et on publie à la télévision. Ça s'appelle une politique de dissuasion. Ça allait dissuader les gens à insulter la première dame. Cette chose-là qu'on a fait, je demande à la cellule de communication de la première dame, en tout cas avec tout le respect que je vous dois, ce n'était pas une bonne politique de lui donner. Et de deux, s'il te plaît. Maman Denise a pensé que maman Wana. Parce qu'en sortant de chez maman Denise, elle a eu une enveloppe. Mais quand elle est sortie, elle a parlé de tout, sauf de l'enveloppe qu'on lui a donnée. Je l'ai vu tout proche de Fayoul. Mais il y a un atouni. Ah, au moins, après, on l'a vu. Maman Denise. Après ça, il m'a dit que pour Eve Bazaïba, Vous voulez... Ça ne finit pour aujourd'hui, vous avez compris ensemble avec moi. Avec le doyen Maïse Tshibangu, c'est toujours comme ça. C'est un homme qui parle, qui a la réponse à toutes les questions. APJ au peuple de Djigé. Merci de nous avoir honorés. Pas de problème. $350,000. Merci d'avoir été de notre le doyen Maïs Tshibangu. Voilà, okay. Parce que Maïs Tshibangu, expert en communication, très proche du chef de l'État selon le public. Merci d'avoir été de notre. Restez fidèles à cette émission. Derrière la caméra, Monsieur Nono, Junior Konodoli, Monsieur Branly, merci également à Monsieur Landry Foucault, Jerzy Omeno, Yann Mambo. Yann merci Mambo. Aussi de reconnaître mon amour vis-à-vis du chef de l'État. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'aime, ce président. Merci. En tant que mon frère et mon frère chrétien. Merci. Et je le soutiendrai encore et merci. Encore. Merci. Merci à notre DG Jacques Kini. Restez fidèles à nos programmes sur la chaîne de l'excellence. Au revoir.